vous, petit dépravé? C'est moi! Bienvenue aux aventures rocambolesques pour une deuxième capsule. Ce soir, j'ai un ami qui me traîne avec lui dans une maison abandonnée. Donc, je le ferai pas attendre. Je vais aller le rejoindre tout de suite et je vous le présente. Ah, ça fait comme des chips. Donc, rebonjour, plutôt bonsoir. Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio, photographe. J'ai enfin eu mon Grammy pour Le Revenant. Excellent. Malheureusement, j'ai retourné The Wood. Back in Wood. Back in Wood. You gotta be Wood, boy. Tu pars finalement? Ben, c'est pas grave, c'est quand on est parti! On roule la lumière ouverte! Donc, ça commence bien! Comme deuxième capsule, on s'en va faire de la photo de maternité de nuit. Sérieusement, on va dans un rang, je pense pas croiser de police. Non, je pense photo pas. Photo de maternité de nuit. Ouais, ben en fait, on s'en va faire de l'urbex. Voilà pourquoi ils parlent de police. Hein. C'est un petit peu illégal faire de l'urbex, malheureusement. Il y a des fois les autres, parce qu'on va faire de l'urbex, sont pas toujours inhabités. Ça arrive des fois qu'on va faire de l'urbex et qu'on dérange les familles chez eux. Donc, on s'en va faire un crime. On va peut-être se faire arrêter, là. D'ailleurs, dis pas ça. Lance pas ça dans l'univers. Mais j'ai quand même des preuves, tu sais, qu'on est. Hey, je vois quelle date. Qu'on est... Je vois rien, sérieux, comment tu peux pour conduire? C'est une capsule sur comment mourir en auto. On vous révélerait pas exactement l'emplacement, mais c'est situé à Actonville. 954 ouais, voici l'adresse écrite en bas, je sais. Je sais que je suis haute, mais je me rappelle sérieux? Pas si. Moi, je suis haute. Ok. Vous avez besoin d'animation dans vos fêtes? Vous savez qui appeler. Ça fait déjà 15 minutes que tu tournes, puis je vois déjà le monde se dire qu'il est mieux d'avoir des grosses grandes là-dedans, sinon moi, je débarque. Ouais, il débarque. Boring! Je sais pas encore quel âge se situe notre public, là, mais je commence à sentir que c'est un petit peu plus que 16 ans. C'est sûr qu'aujourd'hui, en 2016... Moi, je pensais que s'il y avait de l'amour entre deux camps, toi, t'as juste 6 ans. Ouais, c'est sûr, François, relax. J'ai pas pris ça. Commence par faire ta première communion, puis on en reparlera après. On est arrivé sur le lieu me semble très effrayant. Alors nous deux, hop, on est stationné, c'est fait. Ben moi je suis John Smith. Jonathan Snap. Tu fais de la photo, bon, c'est ça qui est important. Bon, je suis photographe. Moi puis mon copain ici présent le sommes tous les deux. Lui fait plus de vidéos, moi donc plus de photos. C'est quoi ta spécialité? En photo? Du nu artistique. J'ai un seul modèle sur toi. J'ai un seul modèle avec qui je travaille beaucoup, qui est ma copine. Mais aujourd'hui, ça a porté ses fruits parce que j'ai postulé une photo qu'on a faite ensemble il y a un certain temps, qu'on aimait vraiment un gros, puis qu'on a mis beaucoup d'efforts là-dessus, pour un magazine qui est plus ou moins connu, mais qui est quand même assez populaire. Puis on a été accepté, ma copine... C'est quoi le nom du magazine? Expression Magazine. Expression Magazine. Je sais pas si on peut avoir une cote là-dessus, vu qu'ils ont fait de la publicité. Ils sont bien mieux sérieux de nous sponsoriser puis de donner du cash. Mais oui, j'ai réussi à mettre une de mes photos dites professionnelles qui ne m'a jamais rapporté aucune crise de scène avec ma copine. C'est gratifiant. C'est gratifiant, exactement. Plus que tous les contrats que je peux avoir faits. Malgré que plusieurs contrats, j'ai eu du plaisir, mais encore une fois, c'était avec des amis. Mais c'est une grosse passion qui occupe le trois quarts de mon temps libre, puis... Je pense que je suis bon. Je veux pas briser comme la vague, là, mais quand tu parles de grosses passions. Ah, c'est vrai qu'on est beau là-dessus, mais bon, après, je te dis. Je vais essayer de m'enlever pour. Ouais, pour Project Blair is coming down. Le but premier de ce qu'on fait, c'est tout simplement par passion. Je pensais qu'on était des criminels. Ok! Il y a aussi ça. Ceux qui en font sans se filmer nécessairement vont comprendre. Le but de l'urbex, c'est de découvrir l'histoire à travers les choses. Des vieilles verres. Des vieilles verres. Des vieux endroits abandonnés, des maisons, des vieux rangs de campagne. Tout, n'importe qui aime les films d'horreur va comprendre l'image recherchée. C'est sûr que c'est un choix d'y croire ou pas, on tombera pas dans ce sujet-là. Là, tu parles d'horreur. Ouais, c'est ça. Le domaine du paranormal. Ouais, le domaine du paranormal, c'est... Moi, c'est un domaine qui m'intéresse beaucoup, mais je vais toujours être un sceptique. Là. C'est ça. La maison est extrêmement géniale, je vais le dire tout de suite. Là. Mais c'est même pas elle. Ça, c'est la cabane. La maison est là. Oh! Maintenant, on est rassuré, c'est bel et bien abandonné. Sinon, c'est quelqu'un qui aime l'air frais. Il reste même pas un seul bout de verre dans les fenêtres. C'est clair qu'il y a des chauves-souris là-dedans. Une petite grosse cheminée. Non, je suis pas mal sûr que s'il y a un sous-sol, ça va être une belle expérience. Puis il y a une autre cabane là-bas qu'on peut aller voir.
Oh, attends un peu, ferme de lumière. Un autre des beaux plaisirs de l'urbex, quand des autopasses, ben... On doit être des ninjas. On essaie d'être discret. Nice. Fait que tu vois-tu la possibilité de prendre une photo ici? Ben, on vise la maison. Ou tout honnêtement, je viserais plus à la maison. Là. Un vieux bain pour les glauques. C'est sûr, je vais en faire une photo pareille, mais je veux dire, je m'éterniserai pas de bain. Il n'y a rien à voir. Seul. Le bain, il est le fun. Il est rempli de végétation. Je vais grimper les iso, ça va mettre du grain, mais c'est la vie. C'est le genre de texture qu'on recherche un peu dans l'image. Je peux te le dire tout de suite, la qualité va être plus ou moins haute. Parce que connaissant ma T3i pour. La capture vidéo, le en fort ISO, extrêmement beaucoup de graines, de grains. T'es à combien? Là, j'étais à 6000 quelques. Sérieux? Ouais, c'est beaucoup de grains, là. Ouais, mais rentrer là-dedans, ça va être quelque chose. Ça sert à l'entrepôt, il y a de la laine minérale, neuve, puis tout. Même pas déballée. C'est ce qu'il faut faire. Bof. Honnêtement, non. Un des faits importants en urbex, si vraiment t'es passionné puis tu veux faire les choses comme il faut, c'est de dire des conneries à la caméra, évidemment, mais d'essayer de pas voler ou de détruire plus pour rien. On est là pour observer. Fait que, on se crisse pas plein d'outils sur une ceinture, plein d'affaires comme ça. Là, exactement. Référence que personne comprendra, sauf peut-être toi puis moi. Pas ton trépied, mais je le pogne. Il y a le bain. Le bain il est nice. Hein? Le bain ça fait une belle photo. L'extérieur aux alentours tout court, trouve un beau plan. Puis la baraque, ben on va voir. Nice place. Au moins, ça va c'est safe. Y'a rien qui nous crash à la gueule. J'avoue, c'est soutenu par des troncs bizarres. Prépare-toi. Il va y avoir de la toile. Y'a que ça. Base de lit, hein? En tout cas, il y avait une drôle de chambre. Ce qui est le fun avec l'urbex, là, contrairement avec la photo portrait ou une mailleure, c'est que ton sujet est immobile, puis ta découverte, c'est ta photo, t'as pas à composer quoi que ce soit. Tu prends ce que t'aimes, puis that's it. C'est sûr d'être beau. J'étais à F4, 30 secondes d'expo. Vu que j'étais en grand angle, j'ai mis ma mise au point, je te dirais, sur le premier pilier, là, pas mal au centre de la pièce. Pour qu'autant qu'en avant qu'en arrière, ça soit pas flou. Je voulais juste démontrer à quel point je pense qu'on a découvert la vieille version crappy de la cabane des bordels. Vraiment, là, elle est... Je l'adore. Oh, la toilette est merveilleusement délicieuse.
Quoi? Ok. Excusez-moi. J'avoue que c'était où? Ouais. À ce temps bien d'une toilette. À ce temps que je me réécoute, t'avais raison. C'est bizarre. La toilette n'était pas merveilleusement délicieuse. Elle était succulente. Wow. C'est aussi creep là-bas. Là, vous avez pas vu ça, là, mais tantôt, une chauve-souris m'a pratiquement sauté à la gueule. C'est encore des parents, je pense qu'on va le retrouver. Et un truc là, je me demande c'est quoi, je vois pas bien là, mais... J'étais là-bas au-dessus de la trappe. Sérieusement, c'est mal, hein? C'est tout décalcé. Ça, ça va faire un beau plan du coin ici. Chauve-souris, s'il vous plaît. Ah, oh, des nids. Ah, ça c'est cool, il y a peut-être des œufs dedans maintenant. Non, lui il en a pas. Ouais, on a accès au deuxième étage en plus. Oh shit! Fuck, man! Badass. Le plafond était caillé. Dis-moi à quel point cette maison est cool. Je te dirais pas que des mots, mais regarde l'état dans lequel mon pénis est. Ça m'en dit long. Long. This guy is wood. Des rituels vaudous, c'est quoi de plus normal? Ok, sérieux, excuse-moi, c'est vraiment bizarre ça. Des bougies? Y'a rien dans cette maison-là à part des chauves-souris pis des bougies sur un vieil étagère. Disons qu'on a l'air climatisé central. Ah, y'a un oiseau dedans! Salut petit pit, on te dérange. Attends mon homme, je vais faire une photo de toi. Faire une longue expo. On va se croiser les doigts. Chauve-souris, chauve-souris. Là-bas, là-bas, là-bas. Où c'est? Ah ben ouais, t'sais. Ah non, c'est un oiseau, c'est pas une chauve-souris. T'as raison. Il y a peut-être des œufs dans un tini, je suis quasiment sûr. On le fera pas chier de bord. On n'est pas là pour scraper ta nuit. On va rake des kills. On va bouffer des œufs. T'es emballé, je vais prendre une photo. Il me rentre dedans. Merde, bâtard. Mais là, mon gars, tu sais que t'agis comme un petit enculé. Je suis allé là, j'ai failli péter une planche, genre passer à travers. Sérieux? T'es ouais. En haut? Je suis allé faire un tour en haut. Le plus effrayant, c'est les bouts de linge par rapport. Il y a des caca ici, mon ami. J'en connais un qui serait heureux. Je vais nommer son nom. David. Quel setting tu utilises? Hein? J'étais à 1 seconde 1.8. On dirait que je fais n'importe quoi puis ça marche. Génial! Soit je suis photographe hors pair! Ouais, c'est ça, soit je suis ultra bon ou ultra chanceux. T'as-tu vu le film Ma grand-mère est d'accord avec la consanguinité? Non, j'ai pas vu ça. Sérieusement! Je préférerais dormir ici, c'est mieux que l'écouter. Je te conseille de l'écouter ici. Ok.
Bon, je me lance en photo. Respirer cet air-là. Ouch! J'en ai plein mon ass! Sérieusement, je suis assez fatigué. C'était une grosse soirée. J'espère que vous avez apprécié l'aventure, nos aventures rocambolesques. Donc, sur ce, j'aimerais conclure en vous invitant à aller voir nos photos. Je mettrai le lien dans le descriptif. Et n'oubliez pas, vous pouvez vous abonner pour suivre nos aventures sur la page YouTube, sur Facebook, le répertoire web, les aventures rocambolesques. Donc, sur ce, à la prochaine. Ah, c'était toute une expérience. Donc, sur ce, je vais terminer. Vous savez qu'il y a quelqu'un chez nous. Sérieux, c'est la première fois que ça fait ça.